Salut, salut! Salut à Haribo, première arrivée. J'espère que tout le monde va bien. Nouvel épisode des TP Server Web Linux. Aujourd'hui, alors ça va être un TP un peu plus court, parce que je commence un peu à la bourre, d'une part, et d'autre part parce que il fait beau, j'espère que les gens en ont profité. Mais pas du tout parce que j'ai pas eu le temps d'en préparer plus. Absolument pas. Non, pas du tout. J'espère que le son est bon. Je vais rebaisser un petit peu la musique. Hop. Aujourd'hui, le TP, ça va être PHP-FPM sur Nginx. Alors, dit comme ça, je balance tout de suite les. je vais pas dire les buzzwords, mais je balance tout de suite les termes techniques. Mais justement, on va voir ce que c'est. On va voir à quoi ça sert. On va voir justement en quoi c'est différent de ce qu'on avait pu voir justement dans des TP précédents où on avait fait du PHP, du PHP comment dire, en association avec le serveur web Apache. On avait vu que c'était super simple de faire du PHP avec Apache. Pour une raison fort sympathique, c'est que en fait, le langage PHP a un module déjà préparé pour notre serveur web Apache. Donc on est en théorie, c'est plutôt confort. C'est plutôt confort. On installe le truc et puis hop, PHP est activé, rien à s'embêter et puis ça fonctionne. Là par contre, cette fois-ci, on va utiliser PHP, mais dans un mode différent de celui du module Apache, qui est un truc dont j'avais légèrement parlé lorsque j'avais fait les trucs de base. Alors je vais retrouver le schéma pour vous le remontrer. Hop. Donc on va reprendre encore les schémas avec. Donc ici, hop, je vais passer sur l'écran, hop, comme ça, avec un peu de zoom. Et donc on avait sur cette image qui représentait donc à l'origine les trois tiers qu'on a sur notre j'ai envie de dire sur le principe des architectures trois tiers web. Donc on a la présentation, on a l'application et puis on a les bases de données. Et puis entre la présentation et l'application, on a vu qu'il y avait potentiellement un protocole un peu commun qui s'appelle Common Gateway Interface. Et on peut utiliser Nginx avec PHP grâce à Common Gateway Interface. C'est comme ça qu'ont fonctionné les premiers serveurs web Nginx et PHP avant de passer à un truc un peu plus rapide que CGI, qui s'appelle FastCGI. FastCGI étant juste le moyen de communication, il manque un petit élément de glue pour faire fonctionner PHP, puisqu'il faut des processus PHP, et c'est pour ça qu'il existe un truc qui s'appelle FPM, pour Fast Process Manager, et qui permet de gérer justement les processus PHP. Alors heureusement pour nous, et on va le voir hop, dans le cours, dans le TP, dans les instructions du TP, globalement, on n'a pas vraiment à se soucier de FastCGI, puisque la configuration, en tout cas sous Debian, est déjà prête, en fait. J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à, en fait. C'est ça qui est assez cool maintenant, c'est qu'il n'y a plus qu'à. Donc je vais vous rappeler quand même l'URL, hop là, un peu. Non, pas autant. Hop là. Non, toujours pas. Voilà. Je fais comme ça, ce sera mieux. Je vais vous rappeler donc l'URL, bien entendu, du TP du jour dans le chat Twitch. Et je vais le rajouter dans les liens du live du Discord que vous pouvez retrouver par ici et sur lesquels vous êtes généralement les bienvenus. Donc, pour cela, il vaut mieux avoir effectivement suivi les TP précédents. Et puis, on va pouvoir se lancer. Alors, bien entendu, j'ai démarré
les trois machines virtuelles, même si on n'en utilisera qu'une, normalement, qui sera serveur 13, pour démarrer notre, notre TP PHP. Alors, enfin, je devrais dire notre TP serveur web dynamique avec PHP. Un autre truc, bien entendu, c'est qu'on va laisser se déplacer ici. Hop, et on va mettre à jour le dépôt local. Pour une raison très simple, c'est qu'on va avoir un fichier de conf à utiliser dans ce TP. Alors, hop. Donc, comme indiqué, PHP est utilisable grâce à mode PHP sur Apache. Mais on peut très bien, on peut même aller jusqu'à créer des scripts PHP. On peut très bien avoir PHP, alors c'est le package php-cli. Et dans ce cas-là, on peut lancer un script PHP comme on fait .slash monscript.bash ou monscript.py, qui serait donc un script Python. Et ben, on peut créer un script PHP. Mais pour faire communiquer ce script avec le reste, si on le souhaite, ben là, on va utiliser CGI et FastCGI et FPM pour nous. Donc d'abord, on va se connecter sur notre serveur 13 et on va passer route. Hop. C'est vrai que j'avais déjà mis les clés. Et pour passer route. Hop là. Une fois qu'on est là, par précaution, on va faire un petit apt update. Alors c'est pas forcément précisé dans le TP, mais c'est toujours bien, surtout si vous faites comme moi les TP d'une semaine sur l'autre. On a toujours quelques mises à jour entre temps. Alors je le ferai pas ici, mais idéalement, hein, on fait un apt upgrade et puis on redémarre. Je vais pas le faire ici, c'est pas bien, mais comme on dit, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais bon, là, c'est que c'est qu'un environnement de TP, c'est pas de la production. Donc on va aller dans le virtualhost de server13.example.com. Donc pour rappel, on va dans etc nginx, et puis comme on avait vu dans le TP précédent, eh ben, on a un site enable, et on peut voir qu'on avait notre virtualhost. www13 et notre virtualhost server 13. Donc on va éditer notre... Je vais faire avec nano. Hop là, server 13. Et on a ici, dans notre configuration de virtualhost, on avait notre petite conf de reverse proxy qu'on va commenter. Hop, tranquillement. J'aurais peut-être... Oula, alors, j'essaye, comment dire, de me rendre accessible aux débutants, puisqu'après tout, le but de ce TP, c'est d'être accessible aux débutants. Mais j'ai tellement mes habitudes avec Vim que j'en viens à utiliser des raccourcis Vim dans Nano. bien, et c'est là que je me disais, ah, je vais faire Shift A pour aller éditer à la ligne suivante, et puis en fait... Non, je suis dans Nano, je ne suis pas dans Vim. En fait, ces TP-là vont m'apprendre à utiliser Nano. Bref, dans notre location slash, donc, j'aurais peut-être dû préciser, penser à décommenter le proxy pass, parce que sinon, ça ne va pas faire grand-chose. Et on va commencer à... Je parle, mais en fait... Hop, alors on va modifier le buffer. Et en fait, j'en oublie déjà une partie. Donc, on recommence du début. J'ai fait un apt update. Je vous avais dit de faire un apt upgrade s'il le faut, mais voilà. Et on va installer PHP FPM. Donc, pour cela, c'est très simple. Hein, apt install php-fpm. Et on continue. Et on peut voir qu'il va installer, bah, comme on avait fait pour mode PHP, hein, il installe PHP FPM, hop, PHP 7.4. -fpm ainsi que 2-3 trucs à côté. Voilà. Donc, pendant qu'il installe, il va y avoir un nouveau service qui en l'occurrence ici s'appelle php 7.4-fpm. Et on va vérifier qu'il existe et qu'il est bien lancé. Alors pour vérifier que ce service existe et qu'il est bien lancé, comme on a pu voir dans les TP précédents, on va utiliser la commande systemctl qui vient de systemd. Et donc, pendant ce temps, voilà. Bon, je crois d'ailleurs qu'on peut voir qu'il a créé des fichiers de configuration, qu'il a créé le lien symbolique qui va bien pour le service. Il a fait le setting up. Donc, systemctl
CTL, hop, status, non, pas ça, PHP, PHP 7.4-FPM, voilà. Et là, on peut voir qu'il est chargé, que le vendor preset, hop, il dit bien enabled, et qu'il est active, running, qu'on a des informations, voilà. Status, process active 0, idle 2, request, machin, intéressant. Voilà, on a des informations, les informations habituelles de système CTL. Salut à toi Xavier G. Oh, et ben ça commence bien. On a un raid de la part de Top Clean. Merci beaucoup pour le raid. C'est très 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 gentil. Merci à toutes et à tous. Bienvenue à toi Monsieur Root. Et bam, un follow dans la seconde. Merci beaucoup Monsieur Root, c'est très gentil de me follow. Alors pour les pour la quinzaine qui vient de débarquer, je vous rassure, vous n'avez pas loupé grand chose. Juste un petit morceau. Bah vous faisiez quoi, tiens, avec Monsieur Root? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous faisiez de beau? Hop là. Top Clean qui va pas pouvoir rester 4 heures de stream dans les pattes. Oh, un CTF non résolu. Merci pour le follow, Top Clean. Donc CTF et Bash. Ok, bah vous êtes bien amusé, surtout du Bash. C'est bien le script Bash. Parce que fail le CTF. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Fail un jour et puis réussite le lendemain. Et bien ici, on démarre tout juste le stream. D'habitude, je commence un peu plus tôt, mais aujourd'hui, je commence un peu plus tard. Et en fait, je suis dans une série. Alors, c'est l'épisode numéro 7 de TP pour apprendre à mettre en place un serveur web Linux. Et lors du stream de dimanche dernier, on avait mis en place un serveur web Nginx. On avait même vu comment mettre en place un reverse proxy. Et là, aujourd'hui, eh ben, on va jouer avec PHP FPM. Bash, c'est la vie. Ouais. Salut à toi, Akotime. Bienvenue à toi. Donc, pour le moment, alors, bah, pour les, ceux qui viennent, celles et ceux qui viennent d'arriver, je vais vous remettre le lien, hop, du TP que je suis. Quel TP que j'ai préparé pour l'occasion. Et vous trouvez en plus sur le GitHub, vous trouverez en plus les TP que j'ai fait avant. Donc si jamais ça vous amuse, bah, vous pouvez repartir depuis le TP numéro 0. Si j'ai 0 ou 1, j'ai fait quoi? TP 0 ou TP 1? Hop, TP 0, voilà. Avec la mise en place de libvir KVM sur une machine Ubuntu, pour ensuite créer ses premiers serveurs Debian et ensuite commencer à jouer avec la virtualisation, installer un serveur web, PHP, une base de données et ce genre de choses. Voili, voilou. Normalement, maintenant, tout le monde est au même niveau d'information. Donc là, on vient juste, on vient juste d'installer PHP FPM. En utilisant donc le paquet tout simplement php-fpm, et puis on va pouvoir, on a vu que php-fpm était déjà activé. Merci beaucoup Monsieur Root, si tu trouves ça très intéressant, ça me fait très plaisir. Donc une fois qu'on a notre php-fpm qui est lancé, on va aller dans notre configuration de VirtualHost, dans laquelle je m'étais précipité un peu rapidement, et puis je vais utiliser l'éditeur de texte Nano. Je me fais un peu violence parce que moi je suis un utilisateur Vim depuis très 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 longtemps, mais je comprends que ça rebute un peu les utilisateurs débutants. Donc j'essaye d'utiliser Nano et des fois j'ai les réflexes de Vim qui arrivent. Donc j'édite mon petit fichier de conf et on va rajouter ce que j'ai indiqué dans le TP, c'est-à-dire qu'on va rajouter ce petit extrait de conf, hop, qu'on va mettre ici. Voilà. Et alors, en fait, qu'est-ce que ça sert? Eh bien, ça sert tout simplement à dire, au fait, PHP, ça pourrait être pas mal, PHP, si tu... Enfin, pas PHP, on,
Nginx pour tous les fichiers .php, on va lui dire d'utiliser une petite conf qui permet de faire le lien en fait entre FastCJ et Nginx, et ensuite un autre lien qui va permettre de dire hey, au fait les fichiers de les exécutables PHP, ils écoutent dans, dans ce fichier-là, dans une socket Unix, qui et ça va vous permettre en fait d'échanger des informations. En gros, Nginx via FastCGI va aller regarder dans, dans ce point soc là où PHP va donner des informations. Voilà, voilou. Donc, eh ben, on va en profiter pour sauver notre fichier et quitter notre éditeur de texte. Donc, une fois que cette modification est effectuée, on va relancer le service Nginx. Comme on l'a vu, revu à l'instant pour PHP, ben, on va utiliser systemctl. Systemctl. Alors, je vais faire status Nginx. Donc là, j'ai mon statut. Et puis, je vais faire un restart. Donc là, on a redémarré Nginx. Voilà. On peut voir qu'ici, par exemple, il n'a plus les mêmes numéros de processus qu'avant. Avant, il avait 342, 343, et là, il montait à 7000 et quelques. En plus, on peut voir au niveau du... ah non, il ne fait pas d'uptime sur les processus. Hop là. On va aller maintenant dans un autre répertoire, qui est dans bah, le répertoire qu'on avait convenu lors du stream précédent. SRV 3W server13.example.com dans le répertoire public. Et donc ici, on a déjà notre index.html. Hein. Si on regarde notre serveur 13, où est-ce que je l'avais mis? Non, ça c'est 3W13. Voilà, le serveur 13, alors, hop, ça c'était la page de manuel Apache, mais voilà. Coucou, ceci est un site web servi par Nginx. Hop, normalement dans l'index. Coucou, ceci est un site web servi par Nginx. Donc jusque là, tout va bien. Non. Hop. On doit avoir... Hop. Hop, alors, non, pas ici, ici. Et donc, on va se rendre à l'aide d'un navigateur. Alors, il faut utiliser la PHP, oui, la fonction. Désolé, j'y vais un peu vite. On va essayer de ralentir. Ralentis, Nils. Donc, l'idée, c'est qu'on se rend dans ce répertoire pour aller déposer un nouveau fichier. Et ce nouveau fichier, on va l'appeler info.php. Donc, on va faire un petit écho dans info.php. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fichier ? Mince, c'est 4, pas écho. Hop là, 4. Voilà, comme ça. Donc là, je peux mettre des choses. Et donc, on va, de la même façon que dans le TP8 étape 1, créer un fichier info.php qui utilise la fonction php info. On va se rendre dans le TP8 étape 1 pour se rafraîchir un peu la mémoire. Étape 0 et étape 1. Hop. Et on a ce petit bout de code. Hop, qu'on va copier et qu'on va coller. Ah, oh, tiens, il n'en veut pas. Voilà, là, il en veut. Hop, et CTRL-D pour terminer. Donc là, j'ai créé mon fichier php-info.php qui contient une fonction PHP qui s'appelle php-info. Et cette fonction, elle est super sympa. Elle peut aussi être potentiellement très dangereuse, mais elle est super sympa. Parce que maintenant, si je vais sur server13.example.com/info.php, j'ai tout un tas d'informations sur la version de PHP installée et sur sa configuration. Donc c'est plutôt cool. On peut voir que là j'ai un PHP 7.4.28 et que on voit serveur API, FPM, FastCGI. Alors, donc on a notre page PHP info. On va rechercher le tableau ayant pour titre Environment. Hop là. Hop là. Et on a ici deux petites variables, hein, user et home. Et sous quel utilisateur est lancé PHP et sous quel utilisateur est lancé Nginx. Alors, eh ben on peut voir que notre PHP, il est sous l'utilisateur 3wdata. D'ailleurs, on le voit en dessous, on a des variables PHP, server user 3w-data. Et si je fais un petit ps aux, aux 3w, bytegrep Nginx, et bon, on peut voir que notre Nginx il tourne aussi sous l'utilisateur 3wdata. On peut même vérifier ça dans la conf Nginx tant qu'on y est. Alors, c'est un peu hors TP, mais c'est plus pour, le, pour la culture. Si je regarde nginx.conf, je l'ai fait avec VI, mais vous m'en voudrez pas. Et, mais on peut voir que la première ligne dit user 3w-data.
Voili, voilou. On va regarder aussi la page PHP Info de Server 11, dont on se rappellera peut-être. Alors, bah, j'imagine que ça doit être dans server11.example.com. Hop, voilà. Si je fais info.php, est-ce que je l'ai gardé cette page? Non, je ne l'ai pas gardé. On va aller la remettre. On va se connecter sur Server 11, on va la remettre. Hop. Voilà. SRV 3W Server 11. On va aller dans le public. Bon. Ouais, effectivement, il y avait le petit CMS qu'on avait installé. Hop. Puis j'avais... Non, j'avais pas laissé traîner de... Bon, bah on va faire la même. Hein. 4 dans... hop, info.php. Puis on va reprendre... Alors... On va reprendre le contenu de notre... Je pourrais le faire de tête, mais c'est plus simple ici. Hop, copier. Et puis, coller. Hop. Et donc, si je reprends donc celui-là, on s'en fiche. Celui-là, on s'en fiche. Celui-là, on s'en fiche. Donc, on a notre serveur conf.example.com. Et si je refais slash info, info.php. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Donc là, on a serveur 11. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Mais on est bien sur serveur 11. Et puis, de l'autre côté, on est bien sur serveur 13. Et on va aller rechercher à nouveau notre histoire d'environnement. Et là, on se rend compte qu'en fait, hop, environnement, on n'a pas tout à fait la même chose. Hey, merci pour le follow, UNB. Merci à toi. Alors, on n'a pas la même chose du tout. Mais on se retrouve avec un Apache Run User et un Apache Run Group. Alors qu'a priori, dans l'autre truc, eh ben, on avait tout juste un user et un home. On a carrément un Apache, logdir, pwd, enfin vous voyez, il y a quand même une différence de fonctionnement. Puis si on descend dans les PHP variables, là on va voir que c'est effectivement des trucs pas tout à fait les mêmes. Toujours en comparant les deux pages PHP Info, quel est le fichier de configuration principal activé? Alors là... C'est un peu vicieux de ma part parce que je vais vous faire remonter tout en haut. Hop, tout en haut de la page PHP Info. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir Configuration File. Alors, j'ai mis quoi? Alors, j'ai mis Loaded Configuration File. J'aurais peut-être pas dû. Parce que là, on a bien Loaded Configuration File. Et, ah si, on l'a en dessous. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on a, on a un php.ini qui est dans une sous-conf pour Apache. Et puis là, on a un php.ini qui est dans une sous-conf pour php-fpm. Enfin, pour fpm. Donc, c'est assez intéressant à voir que la manière de configurer de php... Alors, je vais le zoomer un peu. Hop, voilà. La manière de configurer de php sous Debian, c'est dans slash etc slash php slash numéro de version. Et on a donc, pour tout ce qui est... tout ce qui concerne notre Apache, eh bien, dans Apache 2, et pour tout ce qui concerne FPM, on a un sous-répertoire FPM. C'est toujours bon à savoir. On va maintenant configurer d'une façon un peu personnalisée notre PHP FPM. Parce que pour l'instant, on a juste lancé le truc, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait pas. Donc ça va être l'occasion d'aller regarder un petit peu sous le capot. Avant d'aller regarder vraiment sous le capot, on va commencer par faire un petit truc de préparation. C'est qu'on va créer un utilisateur. Alors si jamais vous vous demandez comment créer un utilisateur en ligne de commande sous Linux, et ben en fait, j'ai envie de dire, il y a un TP pour ça. Nous avions vu dans le premier serveur Debian. Hop. Est-ce que c'était là ? Gérer les utilisateurs et les groupes. Tout à fait. Hop. Et donc on avait... Alors ça c'était la gestion des groupes. Hop. Gestion des utilisateurs. Et donc là, on avait un utilisateur dans ce TP-là qu'on crée, qui s'appelait Student1, dont le shell était binbash, dont l'UID était 2001, et dont le groupe principal était la même chose. À noter que son répertoire home était créé grâce au moins M. Il va y avoir un petit truc supplémentaire ici,
c'est que non, c'est pas le bon, celui-là. Hop là. Voilà. Ici, on va vouloir créer un répertoire de départ qui n'est pas le même. Et pour trouver ce répertoire de départ, on va faire un petit man user add. Et en fait, pour spécifier le répertoire de départ, le home dir, eh bien, c'est moins petit d. Une manière non conventionnelle, je l'admets, que j'utilise moi pour essayer de me rappeler des trucs, c'est de lancer la commande user add et sans argument. Et en fait, il rebalance la même chose, plus ou moins. Il dit juste, et au fait, voilà les options. Donc ça peut être pratique, quand comme ça vous avez un trou de mémoire sur l'ajout d'un utilisateur sous Linux, vous faites user add, entrée, et zoom. Donc, revenons à notre utilisateur qu'on veut créer. Donc, on veut créer un utilisateur. Alors bien entendu, hein, je suis root sur la machine, sinon je ne peux pas créer d'utilisateur. Donc user add, moins d, on a dit slash srv3w server 13, hop. Voilà. Son UID est 2013. Donc moins U 2013. On veut créer un groupe du même nom, donc le moins grand U. Comme c'était indiqué ici. Voilà. Et puis le shell sera slash sbin no login. Parce que c'est juste pour le créer. Juste pour gérer un utilisateur. Enfin, on va voir plus tard. Mais c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de se connecter à un shell avec lui. Et on l'appelle serveur 13. Voilà. Maintenant, on peut vérifier qu'il existe. Hein. Salut à toi, Oxideus. Bienvenue, bienvenue. Hop. ID serveur 13. Donc, ben, hop, il existe. C'est cool. On peut même faire un petit grep, si vous vous rappelez. Si je fais un grep serveur 13. Hop, serveur 13. On slash etc passwd. Hop, il est là. Et etc groupe, normalement on devrait avoir le groupe qui correspond à notre utilisateur et il est là. Et on voit bien que tout va bien. Voilà. Donc il est là. C'est cool. Par contre, si on essaye de faire un su serveur 13, ça va échouer. Voilà. Il dit que le compte n'est pas disponible parce que en fait son shell c'est no login, tout simplement. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller transférer un fichier qui est dans le dépôt. D'ailleurs, j'ai pas précisé. J'aurais pu le préciser. Généralement, j'essaye de le préciser. Donc, le fichier fpm server13.conf, mais on va se déconnecter. Hop, voilà. Il est dans notre cours. Hop là, pas ls, pas ls-hl. Voilà. Et donc, il y a un répertoire ici fpm. Et dedans, j'ai le server13.conf. Donc, pour le transférer, on va utiliser la commande scp. server13.conf. Et puis, on va se connecter sur notre serveur 13. Hop. Et donc, alors, si jamais vous avez pas eu l'occasion de voir SCP, hop, on l'a normalement dans l'installation d'un premier serveur Debian. Non, découverte de SSH, TP numéro 5, dans lequel on voit, étape 0, non, étape 1, non. Voilà, étape 2, transfert de fichiers avec SCP. Et en fait, en gros, le format de la commande, tiens d'ailleurs, je vais bouger un peu ça ici, voilà, comme ça, tout le monde voit bien, et on peut voir que la commande c'est scp l'emplacement de mon fichier local, alors généralement on peut mettre un utilisateur, arrobase nom du serveur, alors ici je vais garder l'utilisateur que j'ai déjà configuré, hop. Alors Oxideus, merci à Manon, ah oui bah oui effectivement, Manon t'avait offert un sub jeudi soir, donc je sais pas si elle vient au live du dimanche. Après je l'ai lancé un peu tard celui-ci aujourd'hui, j'étais un peu à la bourre. Donc on a notre fichier server13.conf, on va se reconnecter à notre serveur 13 et notre fichier server13.conf il est là, mais il faut pas qu'il soit là. Il faut qu'il soit dans slash etc, slash php, slash 7.4, slash fpm, slash pool.d. Salut à toi, Twistoff. Donc, on va repasser route. Hop. Et on va aller dans etc, php, 7.4,
npm, on va faire mv de slash home, alors j'étais student, server 13, hop, ici, j'ai dit ici, donc point slash, voilà. Hey, merci pour le follow. Ah, quoi. ça a le mérite d'être simple hein, comme pseudo, mais au niveau des répétitions, c'est pas évident. Donc, non, pool.d. Donc, mvserver13.conf dans pool.d. Hop. Voilà. Alors, juste par précaution, je veux quand même lui donner les droits. Hop. Le mettre avec les bons droits. Hop là. Tac. Donc, là, on est bon au niveau des droits. Parfait. Et maintenant, on va pouvoir relancer le service PHP-FPM. Donc, toujours avec la même commande systemctl. Systemctl restart. Et on avait dit PHP-7.4. Non, c'est PHP-7.4-FPM. FPM. Voilà. Et il s'est viandé. Pourquoi ça marchait quand j'ai préparé le truc. Pool server 13 cannot get to... Me serais-je trompé dans le nom d'utilisateur? Oh, je crois que je sais. Je l'ai fait sur serveur 11, hein. Hein, j'ai fait la boulette. Je l'ai fait sur serveur 11, hein. On va se reconnecter. Voilà, j'ai fait la boulette. Alors. Ouais, c'est ça. Alors, Twistoff qui demande si je fais souvent des cours admin dev. Alors, dev, pas du tout. Dev, pas du tout. Admin, c'est le stream du dimanche. Normalement de 18h à 20h. Hop. Allez. Je copie-colle. Voilà. Et on recommence. On restart. Et là, tout va bien. On va faire un status aussi, quand même, au cas où. Hop. Et voilà. Active running. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, en fait, on a créé un deuxième pool de processus PHP. Alors, je précise pas exactement comment pour l'instant, mais on va y venir. Alors, le reste du temps, ce que je propose comme contenu, eh bien, en fait, je partage mes découvertes, j'ai envie de dire, justement, du monde du sysadmin. Ces derniers temps, là, les derniers streams qui ont lieu normalement les jeudis de 20h à 22h, on a joué avec du cloud public Google. Pour apprendre Terraform. Et merci beaucoup, Joytide, pour le follow. Donc on a fait... J'ai démarré l'apprentissage de Terraform pour pouvoir créer ma propre infrastructure as a code avec Google Cloud parce qu'il propose une machine virtuelle gratuite. Je sais qu'il y a d'autres fournisseurs de cloud qui proposent ce qu'on appelle un free tier. J'ai utilisé celui de Google plus parce que je n'avais pas encore utilisé et que j'avais juste besoin d'une seule machine virtuelle. Merci pour le follow McFlyHive, merci beaucoup. Donc voilà, l'occasion d'ailleurs de signaler que habituellement mes streams sont le jeudi de 20h à 22h et le dimanche de 18h à 20h on est plus Home Lab découverte. Eh ben merci pour le follow, Twistoff. Merci. On est plus en découverte, Home Lab, cloud public. Je vous fais partager mes aventures sur ces choses-là. Et le dimanche, je fais un truc accessible aux débutants où on apprend à installer un serveur web avec plusieurs épisodes, on en est déjà au 7e. J'espère avoir le temps de pouvoir vous proposer les replays pour les épisodes précédents. Alors, Oxideus, pour le moment, on est juste en train de configurer notre pool PHP.
notre pool PHP FPM pour pouvoir utiliser PHP en conjonction avec Nginx, le serveur web. Et comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, là on avait notre PHP qui répondait dans notre Nginx. Et salut à toi d'ailleurs, McFly Live, que je te loupe pas, que je te réponde, que je sois poli. Et mais vous êtes 30 ce soir? Ah bah c'est la fête, hein. Ah merci beaucoup. Hop là. Alors, donc là, j'ai rajouté donc une nouvelle configuration pour créer un nouveau pool. Et ce nouveau pool PHP, on va répondre aux questions. Via systemd, combien de processus PHP sont lancés? Et ben d'après lui, là, on a 1, 2, 3, 4, 5 processus PHP. Et dans quel pool sont-ils? Et ben on a un truc qui est un master process. On en a deux qui sont dans notre pool serveur 13 et on en a deux qui sont dans notre pool 3W. Et alors, si on se demande d'où vient le pool 3W, eh ben, tout simplement qu'il était là. Il fait partie de la configuration par défaut. Voilà, voilou. Donc, on va aller éditer notre fichier là, serveur13.conf, là qu'on a ajouté. Hop, nano, serveur13.conf. Et en fait, on peut voir que bon, voilà, il valait mieux que je vous fasse un fichier de conf et que je vous le donne, parce que le truc il fait il fait 3 km de long. Alors j'ai laissé les commentaires parce que c'est très instructif, c'est à lire, mais en gros il fait 439 lignes. Alors si je fais je vais vous faire un petit peu de magie shell. Si je fais grep-v de tout ce qui commence par le point virgule, qui sont en fait les commentaires dans le fichier de conf, serveur13.conf. Hop, oula. Voilà. Alors on a plein de vide. Donc j'enlève aussi tout ce qui est du vide. Donc tout ce qui... Petite regex là, comme ça, bien placé. Ça en gros, le chapeau, c'est ce qui commence par. Et le dollar, c'est ce qui termine. Ça termine. Donc en gros, je commence, je termine, c'est une ligne vide. Donc là, on est bon, on a juste les confs. Et finalement, qu'est-ce qui reste de utile? Il reste 14 lignes. Donc, j'aurais pu le faire créer comme ça, mais c'est toujours sympa de mettre les commentaires avec. Donc, où en étions-nous? On édite le fichier à la ligne 103. Alors, la ligne 103, et on remplace PM dynamique. Alors, j'ai mis la ligne 103 parce que moi, je suis tellement habitué à Vim que pour aller à la ligne 103, c'est super rapide pour moi. Mais, est-ce qu'il y a moyen de faire aller rejoindre la ligne avec Nano? Donc, je peux faire un contrôle W et que je fais PM égale dynamique. Hop, ouais, je l'ai. Il est là, nickel. Et donc, à la place de dynamique, on va mettre statique. Hop. Alors, pourquoi est-ce que je mets statique? On va remonter un petit peu, puis on va lire les commentaires. Très intéressant. Donc, l'idée, c'est de choisir comment le process manager, donc FPM, va contrôler le nombre de processus fils. Oui, ça, c'est un petit peu coupé, là, mais il dit le nombre de child process. Et les valeurs possibles. Alors Oxideus, c'est toujours bien les lignes en commentaire, tu trouves souvent la petite ligne qui permet de comprendre comment ça se configure. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Merci pour le follow, Adonde, merci beaucoup. Alors, on a un truc qui est statique, donc justement, c'est ce qu'on met, qui est en gros une valeur fixe, pm.maxchildren, de nombre de processus fils. Et quand on est en mode dynamique, ce qui était le truc par défaut que j'avais laissé, on a une valeur dynamique avec des directives, avec un système de gestion de processus. Hey, salut Manon! On parlait de toi justement il n'y a pas très longtemps. Regarde, il y a Oxideus qui est là. Donc pour en revenir au PM dynamique, eh ben on peut avoir donc le max children qui indiquera le nombre maximum de processus pour ce pool. Et on a le PM start server qui dit le nombre de processus qu'on démarre au démarrage du pool.
et on a le mins per server qui va être le nombre de processus minimum qui doivent rester même s'il n'y a pas d'activité, et le max per qui est le nombre de processus maximum qui doivent rester si jamais il n'y a pas d'activité. Et le on-demand est sympa parce que c'est le PM max et le process idle timeout, où en gros le truc c'est vraiment on le fait à la demande. Ça c'est super pratique quand vous faites du dev sur une machine. Vous le mettez en on-demand, vous mettez un max children à, je sais pas moi, 42, et un idle timeout comme vous le sentez. C'est en fait, en gros, l'idle timeout, c'est que si le processus fait plus rien, bah, à un moment il se coupe. Voili, voilou. Donc on va le mettre en statique, hein, on s'embête pas, c'est juste pour voir la différence. Donc, je sauvegarde mon fichier et j'exit. Mais on a déjà vu dans les streams précédents, modifier un fichier de conf, c'est bien gentil, mais ça suffit pas pour qu'il soit pris en compte. Donc, pour qu'il soit pris en compte, eh ben, systemctl, restart, php7.4-fpm. Justement, c'est ce qu'on nous disait de faire. Et on répond de nouveau aux questions qu'on a répondues tout à l'heure avec le système D, avec notre système CTL status. Vous vous rappelez, on l'a fait un petit peu plus haut. Hop, voilà, système CTL status. Je le lance. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup plus de processus PHP dans notre pool server 13. On va rééditer notre fichier de conf. Et on va aller regarder les valeurs qui ont été mises. On avait voilà notre PM dynamique, et si je descends, on avait notre PM.maxChildren qui était à 5. Je peux quitter, et on peut voir qu'il y en avait bien 1, 2, 3, 4 et 5. Juste pour la blague, on va faire CTRL-W, PM égale statique, hop là, voilà. On va descendre, puis on va le mettre à 10 par exemple. Oups là, non. Hop là. Hop. Je sauvegarde, j'exit, je relance PHP-FPM, je refais un status, et là, effectivement, y en a 10. Voili, voilou. On va aller maintenant éditer notre fichier de configuration. Non pas de PHP, pas de PHP, mais notre fichier de configuration Nginx. Donc vous vous rappelez, c'est celui dans lequel on avait justement rajouté un petit peu de glue. Donc etc Nginx sites enabled notre server 13.example.conf. Et dans notre server 13.example.conf, on avait ce truc là. Et en fait, lui, ça c'est la configuration qu'on a. C'est la configuration qu'on a pour le pool www.conf. Sauf que si je regarde dans pool.d server 13, hop, oula, non, je ne veux pas modifier le. Hop là, voilà. Si je recherche notre pool. Alors, forcément, le mot pool, il est partout. Où est-ce que je l'avais configuré? Donc ça, c'était user group. Voilà, listen. Le listen, qui va être utile, il dit slash run slash php slash $pool.soc. Alors, pourquoi $pool? Eh bien, pourquoi $pool? Eh bien, parce qu'en fait, on start un new pool nommé server 13, et la variable $pool permet d'être utilisée dans toutes les directives et sera remplacée par le nom du pool. Tiens, j'ai oublié de changer ici. Maintenant, vous comprenez comment j'ai créé mon fichier de conf. Hein, j'ai copié celui de 3W. Hein. Voilà. Donc, Manon qui demande, il fait quoi avec le module PHP de Nginx? Alors, je n'utilise pas le module PHP de Nginx. J'utilise PHP FPM. Parce que oui, dernièrement, il y a peu de temps, les gens de PHP ont essayé de sortir un module PHP de la même façon que mode PHP de Apache, mais pour Nginx. Ce qui n'ajoute pas du tout à la confusion. Hein. Bref, on va revenir ici, en fait, et on va changer l'emplacement ici, et on va lui dire, hop là, non,
Décidément, hein. Mes habitudes de Vim sont difficiles à perdre. Ce qui est peut-être pas plus mal selon les cas de figure. Et là, on va mettre serveur13.soc. Et hop, on enregistre, on exit. Et bien entendu, il faut relancer Nginx avec un restart. Hop là. Voilà. Une fois que notre Nginx, comme indiqué ici, voilà, est relancé, on va revérifier notre page PHP Info. Donc notre page PHP Info de serveur 13. Bad gateway. Dommage. Qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai très certainement loupé que... Non, les droits sont là. Oh oui, je crois que j'ai compris. J'ai compris ce que j'ai loupé. C'est que notre Nginx n'a pas le droit d'écrire dans... Il n'a pas le droit d'aller lire les informations dans le serveur 13.soc. J'ai mal préparé le TP. Alors... C'est ça, je fais les tests en live. plus sérieusement, ça va être l'occasion justement d'aller vérifier ici. En fait, on a des valeurs. Et ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut changer les listen, owner et groupe. Et comme notre Nginx, il est utilisateur 3W data, ce qu'on peut faire, c'est que si on regarde, si on fait ID, pop, 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 pom, ID de serveur 13, ID de serveur 13, on voit qu'on a un groupe serveur 13. Bah, si je fais grep serveur 13 dans etc groupe, on voit qu'on a un serveur 13. Alors, je vais le faire de façon très 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 moche. On va faire un user mode. Ah non, ça va pas être moche. On va le faire proprement. Grâce à la commande user mode. Et en fait, user mode me permet de modifier un utilisateur et me permet donc de modifier aussi les groupes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le groupe 3W-data, qui est... pas le groupe, pardon. Je vais ajouter l'utilisateur 3W-data, qui est celui sous lequel fonctionne Nginx, dans le groupe serveur 13. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si Nginx, donc l'utilisateur 3W-data, fait partie du groupe serveur 13, il aura accès en lecture-écriture à notre fichier serveur13.soc. Ce qui fait qu'on n'aura pas l'erreur 502 bad gateway. Donc, user mode. User mode. Donc je vais mettre le moins A tout de suite pour append. Pourquoi je mets moins A append? Parce que il faut que j'append l'utilisateur au groupe supplémentaire. Et il ne faut pas que je remplace les listes de groupes existantes. Donc je fais un moins grand G et je vais rajouter moins G serveur 13, qui est donc le nom du groupe dans 3W-data. Voilà. Et si je fais un grep 3W-data dans etc groupe, on voit bien que il fait partie de serveur 13. Alors normalement, si je fais un refresh, ça ne va pas fonctionner non plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours le même processus et il n'a pas conscience. Enfin, pour ce processus-là, la gestion des droits n'a pas été changée. Donc, on va penser à faire un petit système CTL restart Nginx. Et voilà, tout de suite c'est mieux. Je mettrai à jour le TP. Maintenant qu'on a notre fichier qui est rechargé, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller chercher dans la même chose hein, les environnements comme la dernière fois. Et on peut voir que cette fois-ci, le user est serveur 13 et le home, eh bien, le home qu'on avait précisé. D'ailleurs, dans la question, quels sont les changements entre les deux pools? Donc, on va pouvoir faire joujou maintenant. Pop, 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 pom. Si je fais un petit nano de mon fichier de conf Nginx qui est là, et que je fais, hop, je le commente. Et puis on va remettre la valeur de base,
qui était donc celle-ci. Non, hop, qui était celle-là. Voilà. On va relancer notre Nginx. Et histoire de pouvoir voir facilement la différence entre les deux, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ouvrir une nouvelle fenêtre. Hop, voilà. Et puis, hop, voilà. Et là, normalement, si je voulais rechercher l'environnement, voilà, on voit bien que il passe en 3W data et var 3W. Et que globalement, toutes, enfin les seules différences qu'on va voir, est-ce que je peux le mettre hop, par là, voilà. Grosso modo, les seules différences qu'on va voir, ça va être en question, ça va être par rapport à l'utilisateur. Globalement. Alors certaines variables vont pas être dans le même ordre, mais c'est pas dramatique. Mais globalement, voilà. C'est d'un côté vous allez avoir 3W data et de l'autre côté vous allez avoir serveur 13. Par contre, étant donné que l'utilisateur qui fait fonctionner Nginx, c'est toujours 3W data, il est possible que ici, certaines valeurs soient toujours 3W data. Si jamais il arrive à obtenir le nom de l'utilisateur sous lequel tourne Nginx, mais j'en doute. A priori non. Donc il n'a pas l'info. Ok. Voili voilou pour cette partie-là. On va maintenant mettre bout à bout tout ce qu'on vient de faire. On va le refaire une deuxième fois, mais dans un autre VirtualHost. Et on va en profiter pour faire une nouvelle installation du CMS qu'on avait vu la dernière fois. Donc si vous vous rappelez, où est-ce que je l'avais mis? Voilà, notre serveur 11.example.com, on avait installé un petit CMS PuxML, ben on va le refaire. On va le refaire, mais on va le faire dans notre 3W13. Donc, repartons. ETC, Nginx, non. On va reprendre les choses, en fait, mais dans l'autre ordre. On va commencer par créer notre pool PHP, et ensuite, on va lui donner la conf Nginx. On va faire les choses dans l'ordre inverse, presque dans l'ordre inverse du TP. Donc, on va commencer par l'utilisateur. Donc là, on l'avait appelé serveur 13. Bon, on va l'appeler 3W13. Et comme... Hop. Et comme je suis un peu... on va dire paresseux sur les bords, j'ai rappelé la commande. Alors, pour rappeler la commande, vous faites le raccourci clavier CTRL-R et puis vous commencez à taper des morceaux de la commande. Donc là, si par exemple, je fais CTRL-C et que je fais CTRL-R, vous voyez, j'ai reverse E search. Et si je cherche un truc en rapport avec Nginx, eh ben, il va aller me chercher le premier truc qui concerne Nginx. Et si ça me plaît, bah, je peux faire entrer. Et il lance la commande. Voilà. Et après, je peux utiliser les touches fléchées pour revenir et éditer la commande. Donc là, on va mettre 3W13. On va faire 2113 pour l'UID. Et on va lui dire ici 3W13. Voilà, il dit 3W13, il est là. Et je m'assure quand même que le 3W13.example.com, il existe. Ok. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va aller dans notre configuration PHP. Voilà, pool.d. On y est. Je vais copier ma conf server13.conf en 3w13.conf. Et on va éditer notre 3w13.conf. Et là, ce qu'on peut faire pour aller plus vite, c'est que on ne veut pas créer un nouveau serveur 13. Parce que là, si je fais ça et que je relance tout de suite PHP-FPM, il va planter. Enfin, il va planter, il va pas aimer, il va nous insulter. Je vais vous montrer tout de suite. Si je fais un restart, en fait, il va se plaindre qu'il y a deux fois le même pool. Non ? Eh ben, décidément. Pop.
Ouais, GG, comme tu me dis, comme tu dis à Haribo. Ok. Sur d'autres environnements que j'ai eus, il aime pas, hein. Bref. Hop. Allez. On va enlever serveur 13 par 3W13. Alors, le plus simple. Le plus simple. Ouais, ça marche, c'est bizarre. Ça devrait pas, hein. Moi aussi, je suis surpris, Manon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là. Je vais pas changer à la main tous les serveurs 13 par 3W13. Oh bah la page web, à mon avis, elle réagit. Hein. Tu vois, elle est là. Hein. Elle est là, tranquille ou peinard. Tout va bien. Tout va bien. Au poil. Je suis. D'habitude, je. Enfin, je. Enfin, d'habitude. Non, mais franchement, les dernières fois que j'avais vu ce genre de choses-là. Ouais, c'est marrant. En tout cas, c'est bizarre parce que je l'avais déjà fait sur d'autres systèmes, alors pas sur Debian, et il aimait pas. Alors, est-ce que c'est que PHP 7.4 est beaucoup plus, comment dire, permissif sur ça? Ou peut-être que effectivement, comme dit Manon, si ça se trouve, ça écrase l'autre en termes de conf appliqué. Mais ouais, il est 19h23. Ouais, on peut le tenter, tiens. Allez. On va faire ça, tiens. On va faire ça. Pop, 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 pom. Ce qu'on peut faire, c'est que si je vais tout en bas. Si je vais tout. Ah non, on n'est pas obligé d'aller tout en bas, tiens, on va faire ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 7 en max children. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On va récapituler. On a un pool 3W qui est dans 3W.conf. On a un pool serveur 13 qui est défini par serveur 13.conf. Et ce pool serveur 13 est redéfini dans 3W13.conf. La différence entre ces deux pools, c'est le nombre de processus PHP qui sont lancés en même temps. Salut à toi, Kitter Sosé. Donc on va relancer PHP FPM. Voilà. Puis on va refaire un status. Puis on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc bien vu Manon. Bien vu Manon. GG. Hop. Donc il écrase la conf. Je préférerais qu'il me balance une erreur. Perso, je préférerais qu'il me dise, au fait, là, t'essayes de définir deux fois la même chose. Oui, du PHP en 2022, Nobody. Ça se fait encore, et c'est encore très utilisé. Alors, à la limite, ce qui peut être intéressant, c'est que le 3W13 est chargé après. Donc, si je fais un MV du 3W13, en AAA, non, AAA, non, AAA, pas 3W, AAA 13.conf. Oh, bah oui, effectivement, COBOL, effectivement, c'est. Là, la date de péremption, elle est largement passée, et puis c'est plus maintenu. Or que PHP, c'est un langage qui est quand même aujourd'hui activement maintenu. Hop, systemctl, restart, PHP 7. 4-FPM et on va relancer hop, le status et on va voir ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc Manon, c'est en fait le dernier chargé qui a raison. Et là, dans mon cas de figure, le dernier chargé, c'est 3W serveur 13 pour notre pool serveur 13. Ah, il y a un compilateur COBOL maintenu. Ah, je me demande si GCC prend pas en charge le COBOL aussi. Effectivement. Merci du rappel à Haribo. Merci du rappel. Donc ouais, Manon, on va en prendre note.
ma gade! Haribo, alors là, tu m'apprends un truc. Oui, COBOL, décembre 2020. Bon, ça commence à faire un peu, mais décembre 2020 quand même. Kitter Sosé, alors non, tu débarques, mais c'est pas grave. Alors, multithreader, le serveur HTTP intégré de PHP. Non, pas du tout. Pas du tout, je fais du PHP FPM avec Nginx. Du bon vieux PHP FPM avec Nginx. Oh bah Haribo, mets le lien, hein, fais-toi plaise. Fais-toi plaise. Non, alors Oxideus, on va peut-être pas exagérer et partir sur ce genre de considération. On va rester entre informaticiens. Hein. Pavred, bienvenue à toi. Oui, alors installer Arch Linux. Pas aujourd'hui, j'ai mal à la tête. gnucobol.sourceforge.io. Ah si, ils sont hébergés sur SourceForge. Moi, je suis curieux maintenant, je veux regarder ça de 2 minutes. Petit interlude de Gnucobol. Adonde, Cobol tourne encore dans sa boîte. Alors déjà, salut à toi. Oui, mais tu m'avais follow, donc je t'avais déjà remercié. Ok. Et donc il y a une pré-release qui est sortie au mois de juin. Pour 3.1. Ah oui, d'accord, il y avait une pré-release 3.1 et la dernière release 3.1.2. Donc ça veut dire qu'il y a eu un patch. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu un patch. Ok, il y a eu des patchs. Donc mine de rien, il est maintenu et il est maintenu activement. Dernier commit, il y a 6 heures. Ah bah oui, donc. Ah non, mais il n'y a pas de souci, Adon. C'est moi qui. C'est moi qui savais plus où j'en étais. Ok, donc amusant. Amusant cette histoire de COBOL toujours vivant. Bref, allez, on va revenir sur notre PHP FPM, hein, puisque je voulais créer un nouveau pool. Donc, on va prendre notre nouveau fichier de pool. Et en fait, ce que je vais vouloir faire. C'est que je vais vouloir faire un petit replace. Voilà, je vais chercher tout ce qui est serveur 13. Ok, et je le remplace avec 3W13. Voilà, et on fait all pour tout remplacer. Et on enregistre. Et donc ça, c'est plutôt pratique, parce que comme ça, quand on a son template, entre guillemets, bah, avec la variable $pool, bah, on n'a pas à s'embêter la tête. Ça va le changer à 2-3 endroits, pas plus. Et puis, alors, ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va laisser. Ouais, on va le descendre à 5, le PM Max Children. Hein, on va pas s'embêter la vie. Voilà. On va le laisser en. Je l'avais mis en dynamique ou en statique? Hop, je l'avais mis en statique. Tiens, ouais, on va le laisser en statique. Et puis après, on verra. Save me faire, yes. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, eh ben, je peux faire un systemctl restart php 7.4-fpm. Hop. Et donc normalement si je refais un status, qu'est-ce qu'on a là? On a notre pool serveur 13, donc je vais peut-être baisser le nombre de trucs. On a 2 3W et on a des 3W13. Tiens, allez, je vais baisser tout de suite le. Hop là, il est ici. On va le mettre à 3. Ce sera amplement suffisant. Les 4. Hop. On enregistre et on exit. McFly, désolé, qui doit nous laisser. Ben, il n'y a pas de souci. Pas de souci, n'hésite pas à profiter des replays. Et puis, ben, bonne soirée à toi. Et puis, à bientôt, j'espère. Ciao, ciao, McFly. Alors, on va relancer à nouveau ça. Voilà, comme ça, il y a un peu moins de processus. On voit tout. Parfait. Ensuite, donc là, on a 1, créé notre utilisateur. 2, on a configuré le pool PHP FPM. 3,
on va aller s'occuper de la GLU Nginx. ETC, on va aller dans, hop, on va aller dans slash ETC Nginx. On va aller dans Sites Enabled. Et donc l'idée, c'est de le faire pour 3W13. Donc on va éditer notre fichier 3W13.example.conf. Et on va ajouter notre relocation. Alors, tiens, on va mettre ça en commentaire au cas où. Hop là. Tac. Ici. Et on va réutiliser ce qu'on avait vu hop, au début du cours, qui était ici. Sauf que... Hop là. Comme ça. Sauf que si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Bah, si je fais ça, là, il va utiliser ce fichier de socket-là. Et ce fichier de socket-là, c'est celui du pool 3W. Donc on va penser tout de suite à changer et à mettre 3W13. Hop. Et on relance Nginx. Oh, deuxième raid de la soirée. Merci à toi, Atlan Blue. Merci beaucoup. Qui nous rejoint avec 6 participants. Qu'est-ce que vous faisiez de beau chez Atlan Blue? Si ça discute un petit peu. Qu'est-ce que vous faisiez de beau alors? Bon, pendant ce temps, moi je vais continuer mon petit... Merci pour le follow. Merci beaucoup à Tamblou. Alors. Donc, on a fait l'utilisateur pour le pool. On a fait le pool. On a rajouté la glue Nginx. Mais on a oublié un truc. On a oublié un truc. Est-ce que vous saurez me dire ce que j'ai oublié? Je devrais dire qu'est-ce que j'ai encore oublié. Tu te demandais, est-ce qu'il existe des... Manon qui se demande s'il existe des lives où les gens se disputent. J'espère pas, ça a l'air triste. Ou à moins que ce soit juste pour se défouler. Juste pour se défouler, juste pour la blague. Je t'avais dit d'utiliser Nano. Non, je t'avais dit d'utiliser Vim. Non, je t'avais dit d'utiliser Nano. Oui, ça m'amuse. Alors, je crée des users supplémentaires, non pas pour chaque VHost, mais pour chaque pool PHP. En gros, l'idée, c'est que, en fait, tu vas pouvoir... l'idée c'est de pouvoir se dire que chaque pool a son propre utilisateur. Donc PHP fonctionne pas avec le même utilisateur selon que j'utilise le pool serveur 13, le pool 3W ou le pool 3W13. Et je m'en sers pour pouvoir cloisonner en fait. Est-ce que c'est un petit peu mieux comme ça, Oxideus? Dans l'absolu, Si on n'a qu'un seul site web, si on n'a qu'une seule application web, une seule application PHP, on peut se suffire du pool par défaut. Alors, l'idée de pool, c'est en fait un ensemble de processus PHP qui partagent une même configuration, en fait. C'est une sorte de groupe. Est-ce que c'est un petit peu plus clair comme ça ? Parce que, en fait, si je retourne dans... Ah, bon, ok, c'est cool. C'est un groupe, mais c'est pas un groupe au sens Unix, si tu préfères. Voilà. Donc, je disais, j'ai créé mon utilisateur, j'ai créé mon pool, j'ai modifié la conf de mon virtualhost pour aller taper dans le pool. Mais il manque un truc. Il manque un truc que j'ai déjà oublié tout à l'heure. Ça a fait une belle erreur devant tout le monde. Eh bien, en fait, j'ai oublié d'ajouter l'utilisateur Nginx au groupe de l'utilisateur qu'on a créé. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais en gros, ce user mode-là, vous vous rappelez? Quand j'ai dit, ah mince, il faut que l'utilisateur... Unix associé au serveur web
Nginx. Oh, merci pour le follow, Kitor Sosé. Merci beaucoup. Il faut donc que l'utilisateur Unix qui est associé à Nginx ait le droit de lire et d'écrire dans le fichier de socket du pool. Du pool PHP. Donc, il faut que mon utilisateur Unix de Nginx soit dans le groupe de mon utilisateur que j'utilise pour mon pool PHP. Donc là, on va mettre serveur... non, pas serveur, 3W13. Voilà. J'avais relancé Nginx, donc je vais le relancer à nouveau. Voilà. Et on va aller dans SRV 3W, bah 3W13, hop, public. Et on va faire un petit cp-vp, hop, de l'info.php. Hop. Et on va aller sur 3W13. Voilà. Donc là, c'est mon virtualhost 3W13. Et si je fais un slash info.php, eh bien, on a mon PHP info. Et il est tout bien dans... Petit truc, au passage, que j'ai ajouté dans la configuration du pool custom là, que vous trouvez dans le dépôt, c'est que il y a un fichier de log en plus. A priori, il n'y a pas eu d'erreur, donc il ne m'affiche rien. C'est plutôt rassurant. Maintenant, on va aller installer PluxML. Alors, je crois que c'est plus... Non, pas org. F, PluxML.org. Décidément, gros doigt ce soir. Donc, télécharger PluxML, details.zip. Allez, copier le lien. Wget. Hop. Wget, commande notre farm. Bon, bah, apt-y install wget. Ah oui. Moins acme, please. plus sérieusement, donc wget, c'est un requêteur HTTP qui permet de facilement télécharger des fichiers. Sauf que visiblement, dans l'install par défaut de Debian, les certificats de chez... De chez qui ? Hop, ça sent le Let's Encrypt, ça. Ouais, voilà, de Let's Encrypt sont pas par défaut. Ou alors j'ai dû zapper un truc dans la Debian. Et donc en gros, il n'arrive pas à comprendre d'où vient le certificat. Et donc, bah, autant... en fait, je lui rajoute le -- no check certificate pour lui dire non mais vas-y, t'occupe, je fais confiance. T'occupe. C'est une option à utiliser avec parcimonie, bien entendu. Donc maintenant que j'ai mon PluxML latest.zip, ben on va faire un petit unzip. Hop, voilà. Alors, oui, j'ai très certainement zappé un truc, Kitor Sosé. J'ai très certainement zappé un truc. Je suis sous Debian 11, dernière version. Mais bizarrement, je pense que soit j'ai peut-être loupé un truc. Enfin, pourtant, j'ai installé wget de façon bête et méchante. Mais après, j'ai fait une installation assez minimale de Debian. Donc, il y a peut-être ça aussi. Donc là, j'ai mon fichier, mon répertoire PluxML. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un PMV de public en public hold. Voilà. Et on va faire un MV du PluxML en public. Et là, il y a des choses intéressantes qui vont se passer. Alors, je vais, avant de vous parler des choses intéressantes qui vont se passer, Haribo qui dit qu'il manque peut-être le paquet CA certificate. CA-certificate. Non, il n'est pas là, effectivement. On va l'installer pour voir. Hein. Je fais une petite interlude. Ok. Et si maintenant je vais dans slash tmp.
et que je refais un wget de ça, ah, ça passe, ok. Je rajouterai dans ce cas-là, je rajouterai le paquet dans mes instructions d'installation. Merci pour le tuyau à Haribo, merci beaucoup. GG à toi. L'occasion de signaler que les subs ont accès à un emoji GG avec un petit mouton qui fait GG. Et pas que les subs, hein, je crois que quand vous avez des points de chaîne, vous les avez aussi. Bien, donc j'ai renommé mon répertoire PuxML en public et puis j'ai renommé mon public en public old. Et donc je vais me rendre tout de suite sur mon server13.example.com. Slash, alors, index.php je suppose, 404, non. Bon enfin, serveur 13, config core data index.php, il me dit 404 not found, ok, oui parce que c'est serveur 13, hop, allez, 3W13 on a dit. Voilà. Et alors là, ça va être très intéressant. Regardez. Il dit, au fait, il n'y a rien. Alors d'une part, il n'y a rien qui est installé, plus ou moins, comme module. Et en plus, rien n'est accessible en l'écriture. Pourquoi? Bah parce que en fait, le répertoire public, il appartient à root. Et tout le reste est à root, avec des droits qui font que seul root peut y accéder. Alors je me doute qu'il y a certains qui vont se dire « Ouais, bon, bah en fait, c'est très simple, hein, chmod -r 777 étoile. Hein. » Non, surtout pas. On a un utilisateur pour ça, il s'appelle 3W13. Donc chown 3W13 -r public. On rafraîchit la page. Et là, tout de suite, c'est beaucoup mieux. On pourrait même être un peu plus, beaucoup plus, comment dire, strict sur les droits. C'est-à-dire que j'aurais pu vérifier. Ah non, il réclame que le slash soit accessible en écriture. Mais on aurait pu se dire, eh ben, juste les répertoires qui vont bien sont accessibles en écriture et rien de plus. Mais il réclame tout, a priori. Par contre, on n'a pas installé la bibliothèque GD, on n'a pas installé la bibliothèque XML. Alors, je vous rassure tout de suite, on l'avait vu dans les streams précédents, apt install, j'ai dit install, php- alors on a dit quoi ? GD et php-XML. Hop. Alors, est-ce qu'il relance tout seul php-fpm ou pas ? Il a process des triggers. Ouais, il l'a relancé. Et en fait, l'installation de tous ces trucs, vous voyez, ça a ajouté les fichiers des modules, les confs des modules, tous les trucs .ini. Et il a mis tout seul les confs pour activer les modules. Et ça, c'est pratique. Donc, à partir de là, eh ben, on peut faire notre petit blog. Admin. Password. Je mets password tout simplement parce que c'est un truc en local. Hein. Bien entendu, si vous faites ça sur une machine sur internet. Satexample.com, fuseau horaire JMT plus 1 Paris. J'ai comment ça, JMT plus 1 ? Je vais le mettre en UTC. Alors, il me dit JMT. Ah, mais en fait, lui, il est resté à l'ancienne. Ok, bon bah. JMT London. Mais il n'y a pas juste de. Ouais, il n'y a pas UTC ou JMT tout court sans rien. Bon. Bah, GMT London, tiens, allez. Hop. Ouais, allez, on va l'enregistrer au cas où je le perde. 403 Forbidden. Fort intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons voir. Hop, il nous dit quoi? Directory index Forbidden. Slash public. Directory index. Ah, bah oui! Alors, etc
Nginx site available. Et on va lui dire. Parce que là, normalement, si je fais slash index.php, ça fonctionne. Mais là, il a rien. Donc, enable 3w13. Et en fait, il faut rajouter ici, non pas index.html, enfin, on va laisser le index.html, mais on va lui rajouter aussi index.php. Voilà. Tac. Et là, je rafraîchis. Et bim! Je peux aller normalement quelque part dans mon administration. Admin. Valider. Le fichier install.php. Ah, et ben on va le supprimer. Pas de problème. Hop, et voilà. Je rafraîchis. Voilà, c'est bon. Et là, on peut mettre coucou depuis 3w13. Hop. Et enregistrer. Article mis à jour avec succès. Bon, on va se déconnecter. On va revenir sur la page. Et voilà. Coucou depuis 3w13. Voili, voilou. Alors, pourquoi j'ai voulu choisir PluxML ? Parce que justement, il est facile à voir. Et que même si on avait fait du WordPress avec du MySQL, enfin du MariaDB, dans les streams précédents, ici, le but, c'était de se concentrer principalement sur PHP, PHP-FPM. Et l'installation de PluxML, elle est juste là pour illustrer, au final, la configuration qu'on vient de mettre en place. Je peux, si ça m'amuse, refaire un petit... du public hold, le info.php, hop, et on peut voir que si je refais info.php, hop, voilà, hop, j'ai les choses. Bah Oxydeus, pas de soucis, de toute façon c'est la fin, on est bientôt à la fin du stream, donc bonne soirée à toi aussi. Alors, Kittersosé, est-ce que je rajoute des WAF sur mes serveurs web? Si oui, est-ce que je vais montrer comment je fais? Alors, j'ai déjà fait des streams il y a ça un paquet de mois, sur voire même un an quasiment, sur l'utilisation d'un WAF. J'avais fait toute une série de streams un peu avancés en utilisant une application web volontairement vulnérable qui s'appelle DVWA. Et sur laquelle, en fait, je m'étais dit, tiens, j'installe dans mon home lab une installation volontairement vulnérable et je vais essayer de la protéger en utilisant des règles de firewall, en utilisant des règles de durcissement pour le serveur web et pour PHP, et aussi en utilisant un WAF. Alors, dans mon cas de figure, vu que j'avais installé justement un Nginx et un PHP et un MariaDB, j'avais utilisé comme WAF Naxi. Il en existe d'autres, hein, pour être complètement transparent. Il y a notamment un qui est assez populaire, qui s'appelle Mode Security, qui existe avant tout pour Apache, mais qui existe aussi pour Nginx. Un WAF pour un Web Application Firewall, maintenant. Et donc, je m'étais amusé justement à utiliser ces outils pour essayer de faire en sorte que cette application web soit pas trop facilement trouable. Donc, l'idée, c'est que d'abord, j'essayais d'exploiter une vulnérabilité. J'avais mis l'application en mode facile à pirater. Et une fois que j'avais réussi à exploiter la vulnérabilité, je regardais comment je pouvais colmater la brèche sans toucher au code source. Donc, il m'arrivait des fois de mettre des règles de firewall, des fois des règles de serveur web, de PHP, et des fois un WAF pour bloquer des requêtes. Bien. Ah, il y a encore des questions. Oui, tout à fait, Kittersosé, ça bloque les attaques génériques. Donc, hop, si je tape mode security,
Voilà, modesecurity.org. Ah, tiens. Ah oui, ça c'était le mode security 1. Donc effectivement, vaut mieux taper mode security 2 ou 3. Hop, ça va être la bonne page. Hein. Spider Labs. Voilà. C'est ça. Je vais vous le poster dans le chat. Hop. Je vais le poster aussi dans le chat des liens du live. Hop. Et ce que je vais vous proposer aussi. Ah, les scanners grand public. Ouais. Ah ouais, les scanners grand public sont aussi arrêtés par les WAF, enfin, quand ils sont en mode un peu par défaut, quoi. Bref, on s'éloigne un peu du sujet de base. Le principe, on va revenir sur cette page-là. Donc, normalement, on a, à partir des modèles vus plus haut, on a créé notre pool, on a permis au VEOS 3W13 de l'utiliser, et on a pu installer PluxML dans ce pool. Donc, tout va bien. Hey, merci pour le follow! Excruciating Snowcone. Bon, on a fini le TP, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me signaler si ça vous a intéressé. Donc pour le petit rappel de fin de séance, bon, avant le petit rappel de fin de séance, on va peut-être revoir un peu vite fait ce qu'on avait comme objectif, qui était de faire fonctionner PHP sur un serveur web Nginx grâce à FPM. Et on a pu configurer un virtualhost de façon à faire fonctionner un ensemble de processus PHP avec un utilisateur donné. Donc, ça va. Bah, merci beaucoup Manon, si ça t'a plu, si tu as trouvé ça bien et pédagogique, c'était le but. Moi, ça me fait plaisir de partager ce genre de choses avec vous, avec la communauté. Donc si jamais vous voulez revoir ce genre de choses, bah, il y a les replays. J'ai malheureusement pas eu le temps pour certains replays de les mettre sur ma chaîne YouTube. J'espère pouvoir faire ça dans les jours slash semaines à venir. Je sais que maintenant, là, c'était l'épisode 7 sur cette série. Qu'est-ce qu'il me reste encore à vous proposer dans les TP? Ah oui, un peu de Python et du WSGI, si j'ai le courage. Mais je pense que je vais peut-être le faire plus tard. Puisque les trucs SSH, SFTP, conteneur et Docker, HTTPS et un peu de sécu, ça peut être utile. Même pour les débutants. Alors que Python UWSJ, c'est beaucoup moins utilisé, je pense. Mais ça pourrait s'envisager. Je sais pas encore. Honnêtement, je revois juste ça là à l'instant, sur ce qui nous reste. Tomcat, non, je pense pas que je vais faire du Tomcat. Ça faisait pas partie du truc à la base. Je t'avoue que Tomcat, j'ai vraiment pas assez d'expérience sur ça. Après, on pourrait essayer effectivement installer un Tomcat et un XWiki. C'est malin maintenant, je suis en train de me dire, hein, ça pourrait être une bonne idée. Ça pourrait être une bonne idée. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. T'as ça en prod? Oula. Bah attention parce que je risque pas de faire un truc qui soit prod ready. Hein. D'ailleurs, tout ce qu'on a vu là sur les TP, enfin, il manque des choses pour que ce soit prod ready, en fait. Et les deux premières choses qui manquent, c'est ça. Hein. Et puis ça, un peu. Je vous ai pas parlé, par exemple, de certains blocages d'accès, ce genre de choses-là. Ok, toi aussi, il te manque des trucs, bah, c'est l'occasion de les mettre. Bien, voilà, petit rappel, et ben, y a tous ces TP-là que vous pouvez faire de votre côté, chez vous, puisque depuis le TP0, en fait, il y a prise en main vraiment depuis une machine Ubuntu exactement comme celle que je vous montre. Donc voilà, c'est fait pour être normalement assez utilisable seul. Si jamais vous voulez refaire les trucs tout seul. Bien, nous voici arrivés à la fin de ce live.
Alors, Kitter Soze, si ça se trouve, ces Tomcats, ils sont peut-être juste en interne, hein. Donc, si jamais vous voulez me retrouver, généralement, c'est les jeudis de 20h à 22h où on fait d'autres sujets. Ces derniers temps, on a joué avec Terraform et avec Google Cloud. Le dimanche, de 18h à 20h, eh ben, on continue ces TP-là. Comme vous pouvez voir, on a encore quelques TP, de 4, 6 pour être exact. Et après, sans doute qu'on repartira sur des sujets peut-être un peu plus Home Lab. Si jamais vous avez envie de discuter entre deux lives, n'hésitez pas à aller faire un petit coucou sur le Discord dont l'URL est en dessous. Et si jamais vous voulez revoir certaines anciennes vidéos au-delà de la durée de rétention Twitch, il y a aussi normalement dans les liens de ma chaîne YouTube. Donc les liens de ma chaîne Twitch, la chaîne YouTube. Voili voilou, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une bonne fin de week-end, un bon début de semaine. Et je vous donne rendez-vous à jeudi pour certains et à dimanche pour d'autres. Bye bye !